On va vous montrer un petit peu des petites images de l'aéroport puisque c'est bientôt le départ. Eh oui, ça y est, ça arrive. Bon, on est un petit peu à l'avance, mais il vaut mieux être à l'avance, surtout que là, en ce moment, il y a des grèves. Donc là, on n'a pas de problème pour le moment, les avions sont à l'heure, donc on espère que ça va continuer comme ça. On va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Hop là. Donc c'est tout simple, puisqu'on est en mode vlog, hein, comme on l'avait dit. Donc là, on rentre dans le terminal directement. Voilà, c'est bien. On vient de terminer d'enregistrer nos bagages. Hop. Et l'avion qui nous intéresse, il part à 17h25, c'est Vienne, première escale. Vous voyez que le mien, il rentre parfaitement. Donc, et une fois que vous avez terminé votre enregistrement, et ben vous passez par la porte d'embarquement, c'est tout simple. C'est là où on va checker un petit peu si vous avez rien de dangereux sur vous. Donc, tout ce qui est shampoing et tout ce qui est liquide n'est pas toléré en vol. On va vérifier tout, vos affaires électroniques, tout. Alors là, on a actuellement 3 heures à attendre avant de décoller parce que on est venu un petit peu à l'avance, hein, c'est tout à fait logique de venir à l'avance pour être sûr d'avoir le vol, pour être tranquille surtout, la tranquillité. Un autre bon moyen de s'occuper dans les halls d'aéroport parce qu'on va avoir pas mal d'heures de patience, passer de jouer tout simplement à la console, d'avoir pas mal de consoles bien chargées, prêtes à l'emploi, ça c'est pas mal. Donc vous avez aussi la lecture, checker aussi sur internet, les petits jeux de portable, tout ça. Oui, oui. Et vas-y, dis-moi, tu joues à quoi? On va essayer de se terminer le Shovel Knight. Ah oui. Mais je pense qu'il va bientôt terminer parce que je l'ai bien entamé déjà. Mais après j'en ai pas mal d'autres. Alors est-ce que ça va mieux? C'était très stressant en fait. Il s'avère qu'on n'a pas pu prendre les avions initiaux. Tout simplement parce que l'avion au début était à l'heure quand on arrivait donc à l'aéroport. Et puis quand on commence à passer au niveau de l'embarquement, il commence à nous dire il y a 45 minutes de retard. Donc c'est exactement la durée qu'il fallait ou qu'on avait pardon. Pour l'escale, en fait c'est exactement le temps qu'on avait pour faire la correspondance. Donc vous vous doutez bien que c'était impossible de pouvoir prendre cet avion. Donc Air France, la compagnie qui était en tort, nous a trouvé une petite solution qui se trouve dehors. Voilà, on va prendre la compagnie Etihad. Mais du coup, on va passer par Abu Dhabi. On a dû changer de... Et on va perdre une demi-journée carrément de temps aux Maldives. Ça, ouais. C'est très embêtant. Mm. Voilà. Mais le tout, c'est d'avoir quand même un avion et pouvoir au moins partir. Sinon, on était un peu dans la mouise. Du coup, on va profiter de ce petit contretemps pour avancer déjà le montage. Da, 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 da. Et après 4 ou 5 heures d'attente... On va pouvoir embarquer. Allez, on embarque, c'est parti! Et bon appétit, bien sûr! C'est bon, t'as vu les chameaux? C'est cool, les chameaux ici. C'est le chouchou. Bon, alors, et surtout, qu'est-ce qu'on fait à Abu Dhabi? Là, ça se passe bien? Il y en a qui ont la belle vie. Hein. Je galère à te rattraper en fait. C'est ce que je fais. Donc là, on va rejoindre notre correspondance à Malé. Directement à Malé. C'est où Malé? C'est aux Maldives. Comme dans tous les aéroports, vous avez du duty free. C'est-à-dire vous payez tout sans les taxes. Ça peut être appréciable. Même des cigarettes. Voilà, voilà. Ça c'est le petit bonus des aéroports. Alors, je sais pas si vous le verrez bien derrière, mais il y a carrément des chaises longues pour patienter. Ça fait vraiment effet piscine plage quoi. On a eu plus de vols que prévu pour cette portion là, mais on en aura moins pour la prochaine. Donc c'est gagnant-gagnant on va dire. Mais on perd carrément une demi-journée comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Donc je pense que Air France fera quelque chose, un petit geste commercial je pense. Enfin bon, ça arrive, c'est les déboires. Du moment qu'on arrive au moins à mettre les pieds à Malé, ça sera très bien. Du coup, là, on attend notre vol qui devrait nous y emmener normalement si les valises ont bien suivi, parce que ça, c'est encore un gros risque. Suspense. On est très fatigué, ouais. Là, on a dormi, enfin, on a quasiment pas dormi. Il y a un monde qui chialait tout le temps. Ah, c'était infernal. Le petit conseil des petites boules qui est, ça ah sert non, bien. Mais ça sert ah, à ça rien. Transperce les boules qui est. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est chaud. Il était infernal. Le gosse, pourtant, il avait 8 ans. Hein. Bon.
Bon allez, on se retrouve sur la plage de Malais. Il faut qu'on aille chercher les bagages au terminal où il y avait tous les bagages qui étaient desservis. Non, c'est une blague. Parce qu'en fait, les nôtres, comme ils étaient rapatriés au niveau du deuxième terminal, ils n'ont pas été pris en compte et comme c'était des rajouts. Non, c'est une blague. Voilà les chaises longues. On les voit mieux là comme ça. Ça doit pas être loin. Je crois que c'est une vache. C'est là alors. Windows. Ça va ? Oh, par contre, on est sur l'aile. Hop. On est sur l'aile. Il y a un écran de télé. Hein. Et on a la petite vue. On a la petite vue sur dehors. Surprise, motherfucker! Je crois que l'oreiller, il a laissé une trace. Il y en a qui ont bien dormi. Il y a un truc qui choque quand on descend de l'avion, c'est la température. Il fait 35, 40. Ah merde, bon bah 32 degrés. Mais il fait lourd en fait. Ah, il fait très lourd. Alors là, le plus dur, c'est de savoir si les bagages, ils ont suivi. Parce que c'est pas sûr. C'est pas toi qui cherches un distributeur de billets ? Soulager des valises ? Eh ben voilà. Je vais dormir après. T'as vu un peu la précision des trafics aériens ? Bon bah ça y est, on est dans le taxi. C'est le principal. On va à l'hôtel. Une petite vue sur Malais dès que ça va se dégager. Et Malais, Malais. Non. On est encore un petit peu défraîchi de l'avion. Mais l'avion a mis beaucoup moins de temps que prévu, ça c'est une bonne nouvelle, ça rattrape un petit peu le retard qu'on a. Donc on est arrivé, une chaleur de ouf. Le deuxième avion, c'était vachement plus sympa parce qu'on avait plus de place. On n'était pas serré. Comme ouais. Des sardines. Ouais. Allez, on va faire le tour de l'aéroport, direction l'hôtel cette fois-ci, et puis on va tenter de se faire une petite baignade parce qu'il fait tellement chaud que ça va devenir la chose à faire en priorité. Dormir, hein. Non. Sur la plage ? Non. Il y a tout qui est en train de se monter. Tout est neuf. Tout est en train d'être monté. De la petite maison aux grands immeubles, tout est construit. Ben oui. Ils n'ont pas encore le temps de s'occuper de ce qui est crépi ou quelque chose comme ça. C'est fou. Il est temps maintenant de découvrir la chambre. Bon ben, chambre sympathique, chambre double. Petit WC magnifique, bien foutu. Regardez-moi ça avec les petites poutres apparentes là-haut. C'est sympathique. Vasque ovale. Une énorme douche type italienne. La terrasse panoramique de l'hôtel. Donc il y a des petites tables et tout pour prendre un petit verre. Et surtout, ça donne sur ça. L'hôtel il donne directement sur la rue et puis on traverse et les quelques arbres et on file dans l'eau. C'est pas magique, c'est super beau. Hein, c'est classe, et puis t'as les jet skis qui traversent là. C'est une espèce de perche qui permet d'avoir le micro à proximité. Et en même temps, ça fait une meilleure stabilisation parce que je le tiens à deux poignées du coup. Alors, cet hôtel. Ça, c'est le restaurant de l'hôtel. On a eu un petit cocktail de bienvenue tout à l'heure. Hop. Ah, ça, c'était vraiment ce que je voulais. Hein. Quand on a réservé l'hôtel, on s'est dit, on traverse la petite route
et on a accès à une mini plage magnifique. Et directement vue sur l'eau avec les petites plantes et tout. Oh, c'est magnifique. Oh là là, c'est beau. On va repasser devant notre hôtel, comme ça vous allez le voir. C'est vrai que d'aspect il est très joli en fait. Il fait un petit peu moderne. Bon bah les amis, on se retrouve au cœur de... Oh, je sais plus la ville. Honolulu. Honolulu, c'est quoi le nom? Non, Ulumale. Ulumale, ok. Ça construit. On croise quand même quelques touristes, mais ils sont pas nombreux quand même. Un petit exemple de l'architecture locale. Donc là, vous voyez, on arrive vers la mer. On l'a vu tout à l'heure en venant, mais il y a tout qui est en construction, tout qui est à faire. Donc tout est en train d'être fait. Et après, ça donnera les beaux petits immeubles qu'on a vus tout à l'heure. Là, on a un terrain sûrement à vendre. Et à côté, ça construit. Je sais pas combien ça doit faire, le prix du mètre carré ici, le terrain. Vue mer comme ça, traverse à la plage. C'est quand même superbe. Voilà, on se balade un petit peu sur l'Ocean Drive des Maldives pour un petit peu synthétiser. Parce que c'est toujours les avenues qui bordent comme ça le front de mer. Et là, bah, vous revoyez donc les beaux immeubles qui sont finis de construire. Vous voyez ce que ça donne une fois que c'est terminé. Mais ça n'arrête pas de construire. Toute l'île est en construction. Bon, bah, on se balade, on continue à découvrir un petit peu les rues. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de petites supérettes pour s'acheter un petit coup à boire, même des bars, c'est compliqué. Donc, on va essayer de continuer à chercher. Avec le survol des hydravions juste au-dessus de nous. Vous m'entendez? C'est toute une petite vie très active autour de cette île. Oui, ça ouais. Et puis un energy drink pour d'autres plus. Ouais, les deux. Allez, bon bah on va aller direction l'hôtel et on va aller à la plage tout simplement.